There's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire regained. Help our souls tonight. We are losing this fight. Oh, help our souls tonight. Is another one on our. Et yo tout le monde, c'est Under Axel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le Let's Build. Donc n'ayez pas peur si vous entendez parler, c'est juste Mozafter qui est présent avec moi en vocal. Présent. Donc normalement on devait faire une vidéo à deux vu que ça faisait quand même pas mal de temps. Mais le truc c'est que toutes les maps nous ont fait un énorme fuck. Donc on n'a pas fait la vidéo comme on avait prévu. Donc on se retrouve avec un petit Let's Build. Donc ici j'ai déjà commencé à faire un petit peu les fondations et on va se retrouver un peu après quand j'aurai avancé. Et re tout le monde, donc comme vous pouvez le voir, le bâtiment a déjà bien avancé. Donc j'ai oublié de le préciser avant, mais je me suis un peu écarté parce que j'ai dit que les plus gros bâtiments seraient plus vers le centre. Et vu que là c'est déjà un assez gros bâtiment, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages si on compte celui tout en haut. Donc c'est déjà un bâtiment. J'essaie de mettre du relief parce que l'image est assez basique. Vous la verrez tout à l'heure comme promis. Comme je vais faire ouais. À chaque fois à chaque fin de vidéo. Donc ici j'ai déjà commencé un petit peu. Donc j'ai fait une structure en argile durcie cyan. Mais vu que c'est un bâtiment qui est fort rempli de verre, ici j'ai utilisé du verre gris clair. Comme ça au moins on a le vert. Et je peux mettre des blocs. Le gris clair et le cyan ça va bien. Et vu que après il y aura des étages qui vont passer comme ceci. Donc ça passe vraiment à ras du verre. De l'extérieur ça donnera comme ceci, j'ai déjà fait mes tests. Et il y a une aile qui part par là, une aile qui part par là, et tout se rejoint sur la structure que j'ai déjà faite ici. Donc je vais faire les ailes et on se retrouve tout de suite après. Ciao. Et re tout le monde. Donc voilà, j'ai terminé la partie gauche du bâtiment. Donc, Two hours later. Ouais, ta gueule. Ouais, ça fait environ 2 heures aussi. Et voilà. Ça fait 2 heures que j'arrête pas de l'insulter. Habitué, je vais dire. Donc, ouais, de cette côté-ci, encore une énorme vitre. Donc, de chaque côté de la vitre, il y a des dalles, histoire de dire que la vitre tienne. C'est du côté plus RP, vu que c'est une énorme vitre. Donc, de l'autre côté, ce sera le sol. Vu que le sol sur les screens y est blanc, donc j'ai utilisé du quartz. Si vous avez d'autres choses de blanc qui pourraient bien rendre aussi, vous pouvez le mettre. De ce côté-ci, donc on a moi, une... Moi je suis un thug, je mets de la neige. Ouais, mais faire des dalles en neige, c'est un peu plus compliqué. Bah les couilles. Ouais, cette vidéo elle est assez vulgaire, je vais le préciser tout au début, juste après l'intro. Attention. Un petit avertissement, cette vidéo est très vulgaire. Interdit au moins de 12 ans, attention, à 12 ans. Ouais, activer la limite d'âge. Ouais. Et de ce côté-ci, donc, ici, j'ai fait un petit renfond. Donc, à cette hauteur-ci, on pourra dire que c'est le bureau du patron, vu que ce sera sûrement le bureau le plus haut qui puisse exister dans ce bâtiment. Et bah ouais, il faut bien que les employés soient en dessous du bureau. Hein. Ouais, c'est ça. Le salaud. Et de ce côté-ci, bah, à chaque fois on a une petite ouverture. Donc ça va vraiment être les bureaux. Je travaille. J'ai même pas une vue sur l'extérieur. Et en plus sur le screen c'est vraiment ça. Donc, ah parce que toi tu sais ce que ça veut dire travailler. Bah ouais, moi je travaille tu vois. Oui bon, tout est relatif hein. Ouais. Il y a qu'en maths. Ouais. Oui, mais les maths, tout le monde s'en bat avec. Hein. Ouais, vu notre prof. Bon, c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est vrai. Donc, à chaque fois, 2 blocs et 1 dalle pour faire la différence. Et derrière, il manque le verre. Donc, le verre viendra vraiment comme ça. À chaque fois, je vais faire une double couche de construction. Comme histoire de se faire chier. Ouais, c'est exactement ça. Il me connaît vraiment à fond.
Donc on aura la double couche avec les vitres qui donnent sur l'extérieur. Donc quand on sera à l'intérieur, donc on aura un peu une espèce de volet. Pas piqué des hannetons, on Ouais, c'est précise. ça. Et de l'extérieur, on verra les vitres. Donc je vais continuer à construire, je vais commencer l'autre aile et on se retrouve tout de suite après. Et re tout le monde, donc on se retrouve sur la fin de la pluie pour vous montrer donc la dernière partie de la vidéo, c'est-à-dire la partie droite du bâtiment. Donc le bâtiment n'est pas terminé, vous le voyez, mais en fait ce n'est pas compliqué. De ce côté-ci, ça recommence normalement. Et de l'autre côté, ça refait exactement le même pattern de ce côté-là. Et ici, c'est selon votre inspiration. Vous pouvez refaire comme à l'entrée ici ou comme ici. Ça c'est vous qui voyez. Donc ici, de ce côté, nous avons de nouveau un énorme espace vitré, vu que c'est un peu la logique de ce bâtiment qui est fort vitré. On a ici plus enfoncé une espèce de carré qui fait le tour de ces vitres. Je vais me mettre par ici, comme ceci, et comme ça, je me trompe. Hop, voilà. Je vous mets la photo juste à côté. Vous pouvez regarder. Voilà. Donc c'est assez ressemblant entre les deux, je trouve. Et si vous avez des idées de décoration, des petits patterns ou autre chose, c'est encore une fois dans la description. Vous envoyez tout ça à mon email. Pendant qu'on entend Mosafter qui est en train de se foutre de ma gueule. Non, 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 j'oserais pas, tu sais Ouais. bien. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ainsi qu'à la chaîne de Mosafter, vu qu'il devrait reprendre C'est prévu pour ouais. début septembre. Ouais, pour début septembre, si pas avant, on verra bien. Ouais, on verra bien. Ouais. Et sur ce, on se dit salut! Salut les gars!